Ah, bonsoir, qui êtes-vous? Bonsoir. Alors, oui. est-ce que monsieur Astier, vous aimez les gens qui ont les gens qui ont de la voix? J'ai rien contre. Vous avez rien contre? Non. Ah, parce que si vous écoutez la chanson de vieux, vous connaissez pas ce jeune homme? Non, bah non. Ah bah, et pourtant, les plus jeunes le découvrent dans Génération Goldman, mais alors pourtant, les classiques, c'est son truc. Ce garçon est un ténor. Mais très bien, très bien. Mais voilà, je vais vous le présenter. Faites du bruit pour Amaury Vassili qui est avec nous. Ouais, ouais. Comment ça va? Bienvenue. Bienvenue chez nous. Salut, bienvenue. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. C'est bon, non? Alors, pour moi, je tiens à le dire, un ténor, c'est un type qui, en théorie, est gros, avec une grosse barbe. Mmh. Et là, on est loin de ce que j'imaginais. Ah, j'ai rasé la barbe et perdu les kilos. Ah, c'est ça, alors. Ouais, ah, d'accord. Non, mais alors, est-ce que vous pouvez me faire un tout petit truc qu'on essaie de... Ouais, je vais faire le truc classique, c'est le Caruso, c'est le machin qui passe... Ah, bah, vous avez raison, classique, on le fait tous les matins. Bah ouais, tu sais, dans la baignoire. T'es folio bene assai, ma tanto tanto bene sai, è una catena ormai, che sorre il sangue di te bene sai. Tu pleures? Ça doit être ça pour se faire les mamans. Il a changé René La Taupe. Ça. Monsieur, vous avez fait une pièce sur Jean-Sébastien Bach? Ah, tout à fait. On est sensible? Bah oui, évidemment. Comment vous prononcez? Una parte di me? Parfait. On a parté d'aimer. C'est l'album de Amaury Vassili qui est avec nous. Et en plus, donc, il s'est mis dans une version... Hop, c'est là, pardon. Hop là, ou là, comme tu veux. Oh, vas-y, prends. Oh, fais l'amour, là, Amaury. En plus, pour les plus jeunes, je disais, il est dans la nouvelle version Génération Goldman. Pour... Ah oui, non, j'ai... Ah bon? Non, Génération Goldman qui est sortie. Qu'est-ce que c'est? Génération Goldman? C'est pas ma faute, enfin, quoi, ça va. Mais je suis pour rien. C'est votre troisième album. Ouais. On a parté d'Imé, c'est le troisième. Et puis le projet Génération Goldman, bah, c'est un peu le carton du moment. Donc, merci. Ah ouais, non, mais attends, merci, parce que quand on peut parler de carton, c'est du... C'est du très lourd. Je viens de parler de disque de diamant. Là, on a été disque de diamant là, depuis peu. Pas trop se la jouer quand même. Non, mais bon, c'est quand même. C'était un projet qui était pas évident au départ. Et d'ailleurs, Leslie. On était ensemble à la soirée de remise de disques de diamants. Est-ce qu'il va y avoir une tournée? Ah bah oui, ça c'est en train d'être mis en place, mais c'est vrai que étant donné qu'on s'était concentré sur la promo de l'album, on avait fait pas mal de télé et tout, la tournée était un peu passée derrière, et là on va commencer à se mettre au boulot. Alors, est-ce que tu l'as le titre d'Amaury? Écoutez qu'on écoute un peu. Tu l'as ou pas? Bah oui, c'est un classique. Mais je connais. C'est la sonnerie de mon téléphone portable. Ah bah voilà. Exactement pareil. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir que tu sois avec nous. Comment tu t'es retrouvé dans Génération Goldman? Eh ben, ça a été le hasard des propositions. Et comme puis, les styles. Ouais, carrément. Ça nous est tombé dessus. On nous a dit, ça te dit de chanter du Goldman. Et puis, ben, on a dit oui, quoi, tout simplement. Et toi, c'était dans Il suffira d'un signe. Exactement. Il suffira d'un signe. Voilà. Un matin tout tranquille. Parce que je suis monobatteur. Alors que toi, c'est... Je te donne mes notes, je te tu vois, donne mes... Mais dis rien, elle. Alors mes deux, elle, merde. J'ai deux, en pire. Oui. Comment? On peut les écouter si tu veux. Pourquoi ça veut dire que ça chante mal? Mais tu parles? Mais elle parle? Mais tu parles? Il y a une belle voix, hein? Bravo! Vous pouvez applaudir Amaury Vassili, une voix en or et un garçon qui est adorable. Una parte di me. Bien sûr, c'est en allemand. C'est en allemand, c'est comme Jean-Sébastien Bach. Hein. Una parte di me, c'est de l'allemand. Presque. Oui. Bonsoir, qui est là? Monsieur Coé, il y a quelqu'un pour vous. Ah, c'est ma gardienne. C'est qui? Il a dit qu'il s'appelait Bruce. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Attendez, j'ai pris une photo de lui. Ah bah oui, là ça m'en dit beaucoup, oui, là ça peut être, c'est même peut-être le mec qui nettoie là sur les trucs, ça peut être Monsieur Propre aussi. Mais en tout cas, c'est pas une vanne, le moment de me rendre voir celui qui a fait Die Hard 1,
Die Hard 2, Die Hard 3, Die Hard 4. Et qui là aujourd'hui est là pour Die Hard 5. Et quand il sera en forme, il fera Die Hard 6. Bruce Willis. Hey, je... Alors, c'est sympa. C'est Bruce Willis, quoi, c'est... Ouais, j'ai rencontré Bruce Willis, c'est pas... Ouais, c'est... C'est Bruce Willis, quoi, c'est... Ça y est, il se la pète. Alors, je l'ai vu. Il ne m'a pas du tout parlé de vous. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout. Pop, pop, pop. Alors, je lui ai dit, j'ai Malik Aménard qui est dans le plateau, il est sur, avec nous dans l'émission, il a fait... Qui c'est? Bonsoir. Bonsoir, qui est là? Si c'est Bruce, il a peut-être oublié un truc. Oh, alors, voilà. Attention. Attention. Attention, vous avons une rubrique chaque semaine qui s'appelle le tu fais quoi. Le principe du tu fais quoi. Ah là, voilà, oh. Bon, alors inutile, je crois que j'ai pas besoin de vous dire qu'on reçoit pas un mec des impôts. Hein, pas, je, on est d'accord, c'est pas Texte des amours, non, vous avez remarqué. Non, c'est pas Maître Nadjar. Non, c'est... Il s'appelle Kalidor, voici le tu fais quoi de la semaine, faites du bruit pour Kalidor. Oh la vache, oh la vache, oh la vache, bonjour. Non, 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 regardez là-bas, regardez, oh là là, oh là là. Oh la vache! J'ai pas vu la main, j'ai pas vu la main, j'ai pas vu la... Ah putain! Voilà, ce monsieur... Ce monsieur... Est-ce que vous avez présenté ça à Alexandre? Parce qu'Alexandre, il vient de Lyon, il y a des bêtes comme ça à Lyon, hein. Ah là, vous... Allez, Malika, oh, fais-moi la maline, là! Non, franchement... Doucement, doucement, non, doucement, 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 doucement. Tu voulais manger des trucs pourris. Tu vois, regarde la pointe. Regarde la... Non, non, attendez, regarde la pointe. Regarde la pointe. Est-ce que quelqu'un... Oui. Tu te rends pas compte de ce qui se passe là. Est-ce que moi, tu vois cette pointe? Tu sais ce que je suis, moi? Non, tu es un homme. T'es scorpiontophobe? Ah, tu vas avoir une migale dans Ça, je peux pas. Non, ça, il peut pas. Les gens qui peuvent pas, faut pas les forcer. Il va rien me faire, hein. Ah là là. Ah là là. Oh, j'ai envie d'aller faire un coucou public. Non, pas de réaction Bruce, parce qu'elle peut vous... Ouais, elle saute. Alors, alors que va faire ce monsieur? Que peut-il faire? Qu'est-ce qu'il est possible de faire sur un plateau de télévision? Et on a des invités courageux, hein. Amaury, je crois, je ne suis pas sûr, je crois que tu as une petite barrette dans les cheveux. Ouais, ne bouge pas là. Non, c'est une barrette qui se met en place et quand tu dis. Oui, tu touches plus. Regardez le scorpion comme il en chie dans les cheveux. Il a bien. C'est une pente. Vas-y, mon pote. Que va-t-il se passer? Kalidor va-t-il faire un truc incroyable? Restez avec nous, vous le saurez. C'est le tu fais quoi de la semaine avec nos invités. A tout de suite. Le grand fakir Kalidor va-t-il se transformer en avaleur de serpents? Va falloir rester pour le savoir. Et je vous donne rendez-vous avec la suite de Bienvenue chez Koé, avec Alexandre Astier, Malika, Amaury Vassili et Leslie qui fera en plus le live de fin, plus quelques surprises. Bienvenue chez Koé, ça continue. Cette voix que vous entendez, c'est la voix d'Amaury Vassili qui était avec nous ce soir dans Bienvenue chez Koé et qui, alors que nous allons démarrer une expérience incroyable, doit s'en aller, il a un mot du médecin, il a déjà pris une tarentule, il a déjà pris un truc. Merci en tout cas, et n'oublie pas, reste comme tu es. Pas de soucis. Et un vrai ténor, ça a de la... Voix. Non, de la barbe. Bah oui, ça a de la voix aussi. Même, faites du bruit pour Amaury Vassili qui était avec nous. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Bonne série de concerts. Ah bah c'était cool, ouais, non, carrément. C'était bien sympa. Je m'attendais pas à des scorpions et des migales, mais... Ouais, c'est les migales, ça fait un truc chelou dans la main quand même, c'est... Ça te colle là avec ses pattes, c'est bizarre. Mais le scorpion, ça allait avec les cheveux, c'est du béton. Non, mais puis sinon, la part est bien sympa, il y avait du bon son, donc c'était cool. On s'est bien amusé. Ciao!